mes lunettes de soleil, j'arrive pas à voir si ça se voit, mais j'ai chaud, mon Dieu. Bah, c'est trop bien, on va faire un marché. Youhou! Hoy conspiran mis suspiros en contra de mis ganas cuando pasas y te miro y más. En plus, c'est en courant. Sous cette chaleur, nous. Oui, Timothée. Oui. Que me deja pensativo. Y si te doy mi vida, y no es de tu medida, amor, verás que el mejor sastre. Es hacer un desastre con mi corazón. ¿Qué se siente que me gustes tanto, amor? ¿Qué debo de aceptar? ¿Qué tengo miedo de tu encanto? ¿Qué se siente que me gustes tanto, amor? Que si un día tú te vas con alguien más, yo voy también. De trottinette électrique pour venir jusqu'ici, et là je suis allée à l'Alliance Française, qui est en fait un groupe de Français qui s'unissent pour des événements genre la Chandeleur, moi j'ai les clubs, ce genre de trucs là, et puis pour faire d'autres activités du style et aussi donner des cours de français. Et c'est trop cool parce que je vais pouvoir donner des cours de français bénévole au début, puis si et quand j'arrive à avoir un visa de travail avec un permis qui me permet de travailler, et ben je pourrais enseigner et donner quelques cours rémunérés. Puis c'est cool parce qu'ils ont aussi un partenariat avec je sais pas exactement comment ça s'appelle parce qu'elle me l'a pas dit en fait, mais je sais pas où je vais, je suis pas sûre de ce que je fais. Je suis à la recherche de ma trotte que j'ai posée là avant, j'espère de 1 qu'elle est toujours là, qu'elle a assez de batterie pour me ramener et que je vais la retrouver parce que c'est un peu tout pareil. Voilà, c'est à quoi ça ressemble. Bref. Et du coup, peut-être que je pourrais travailler au travers de cet organisme après, genre auprès des enfants pour enseigner le français. Ça serait stylé. A priori, elle a l'air de dire qu'il y a de la demande, donc ça serait cool. Elle était super sympa. C'est cool de discuter en français, de discuter avec quelqu'un. Puis normalement, il y a un prochain événement auquel on pourra aller. Enfin bref, tout ça c'était cool. Et c'est chouette parce que ça me fait aussi visiter un peu Charlotte, donc c'est sympa. Donc là, je vais retrouver ma trottinette. Je la vois. Yes, yes, elle est là. Youpi. Normalement, je devrais pouvoir rentrer. Je vais essayer de filmer la route là en rentrant, mais je suis pas sûre que je vais réussir. Machallah, on va voir si j'arrive. Bon, à plus. Je vais essayer un truc. Je vais essayer de vous mettre dans mon pantalon. Parce que dans ma poche, j'ai remarqué que la visibilité n'est pas géniale. Je vais essayer de vous mettre genre comme ça. Je sais pas à quel point ça va être pénible. Es hacer un desastre con mi corazón. Que se siente. Bon, je vous fais officiellement un petit tour de notre appartement immeuble. Donc nous, on vit ici, au 235. Et là, vous allez m'accompagner parce que tous les soirs, du mardi au dimanche, on a la possibilité de
jeter nos poubelles juste en les posant ici devant la porte. On sort notre poubelle et puis ils les prennent. Mais hier, moi, j'ai oublié de fermer le sac. Du coup, ils sont pas pris. Du coup, l'autre option, désolé pour le bruit de ma clé, après ça fera plus bruit là, c'est de venir ici. Hop. Et on a une superbe trash chute. Donc là-dedans, hop, je vais essayer de le faire. Aïe, non. Ah, de l'instinctivo. Et voilà. Superbe. Vous êtes content de m'avoir suivi dans cette partie-là. Bon, on a un ascenseur là-bas, mais là maintenant je vais prendre l'escalier. Donc on vit au deuxième étage. Et là, je vais juste checker si on a du courrier. Je dois aller récupérer un colis à la réception. Du coup, ça donne une bonne occasion de faire un petit tour de l'immeuble. Bon, là, vous êtes bien sûr pas dans la plus jolie partie. Mais quand même, ça vous permet de voir à quoi ça ressemble. Et je ne mâche pas de chewing-gum, c'est juste mes tongs qui font ce bruit. Voilà. Du coup, ici, c'est l'entrée de notre côté de l'immeuble. Et on a... Voilà l'entrée. Ici, c'est l'endroit où on reçoit des colis. Pas de colis pour nous aujourd'hui. Et puis, normalement, ils les mettent dans ces boîtes. On a un code et puis on peut venir le récupérer ici. Et là, ça, c'est nos boîtes aux lettres. Enfin, notre boîte aux lettres. On les possède pas toutes. Hop. Et super. On a... Oups. Ah, mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est pour la première partie. Si on veut, on peut reprendre l'ascenseur, monter au premier, puis longer les couloirs des appartements. Et je repasserai par là après. Je vais passer par l'extérieur. Il est... Désolée, j'ai croisé un de mes voisins, c'est tapé la monstre, discute. Non, je rigole, vu qu'on est plus de 250 appartements. Voilà. Du coup, là, il fait monstre chaud, choc thermique. Mais au moins, vous voyez notre super trottoir, notre super bâtiment. Et là, on arrive à l'autre entrée du bâtiment, qui est l'entrée, on va dire, officielle. Et dans cette entrée officielle, on a accès au leasing office, là où il y a presque tout le temps du monde, et normalement, ils ont un colis pour moi aujourd'hui. Je vais juste m'organiser pour le réceptionner. Interruption parce que j'ai dû récupérer ceci et c'est assez encombrant. Je vais quand même essayer de filmer la suite pour que vous puissiez voir où est-ce qu'on s'en va. Donc du coup, quand on est ici, c'est pas très pratique avec le carton dans les mains, mais... Ma calculateur comme ça. Voilà. Du coup, ici, normalement vous l'avez vu si vous avez regardé la vidéo. Mais c'est l'espace de travail, grosso modo, et c'est assez chill. On n'est pas venu beaucoup à parking quand il n'y avait pas de wifi, mais c'est assez chill. Aujourd'hui, il n'y a personne en plus. Je ne sais pas si je vais réussir à sortir sans scanner. Je ne crois pas. Ah, peut-être. Oui, incroyable. Du coup, ça, c'est le premier... Hop là. C'est le premier espace pour chiller. Putain, il fait chaud. C'est stylé parce qu'il y a de quoi jouer au cornhole. Il y a aussi un barbecue. Enfin, deux barbecues, pardon. Des petites tables pour chiller et tout. Mais en vérité, on n'est jamais venu encore ici.
Donc, je ne peux pas... Putain, comme j'ai soufflé alors que je porte un truc et demi. Et puis, comme... là, j'arrive dans un deuxième espace qui est... C'est bon, j'arrive. Pour le café, pour jouer au billard, jouer au... Oh. Thank you. Du coup, je lui disais, jouer au poker aussi. Ici, c'est notre salle de sport. Je ne veux pas rentrer parce qu'il y en a qui font du sport. Et vous la verrez probablement dans d'autres vidéos. Par contre, je fais un crochet par la piscine, qui est le kiff ultime. Par contre, là, je vais devoir biper. Je me pose un moment. No es de tu medida, amor. Je pense que c'est en partie parce qu'il fait beaucoup trop chaud aujourd'hui. Et que les gens travaillent aussi quand même. J'oublie, mais les gens travaillent. Du coup, voici la piscine. Incroyable. Oh, comme ça me donne envie. Ouh, peut-être aller faire un petit saut après. Verás que el mejor sastre es hacer un desastre con mi corazón. De retour à notre appartement. Voilà à quoi ressemble notre appartement de dehors. Et, je suis pas sûre qu'on va très bien le voir, mais notre appartement, il est là-bas. Et ça, c'est la vue qu'on a, que vous voyez dans presque tous les vlogs, mais voilà. Notre super appartement. Ce soir, on va manger la première fois au resto. On est déjà allé dans les fast-food, mais jamais au resto. Et forcément, il fait ce temps-là. Mais au moins, passez une bonne soirée, on s'en souvient. All these things that we took for granted. We've lost dancing. Tu trouves pas que c'est beau? Genre, tu t'imagines pas sentir toutes les fleurs et tout ça? Tu m'agaces. Bah, il aurait été un peu plus précis sur les personnages, quoi. Faire des petits points qui est tu devines, quoi. Il aurait pu au moins de. Un prénom, c'est genre moi. Ça c'est plus précis, t'apprécies un peu plus. On est vendredi soir, oui j'ai pris un masque. Pour moi aussi. Hein ? Pour moi aussi. On est vendredi soir et ce soir il ne pleut pas. On retourne au resto. Peut-être qu'à force il va quand même se mettre à pleuvoir, hein, je sais pas. De nouveau belle vue sur la cité. Ce soir on va tester un resto très jouitime.
ce soir on va tester un resto français. Et c'est genre le premier truc que j'ai vu quand on a su qu'on allait partir à Charlotte. Pure coïncidence. J'ai vu que Tony Parker y était allé quand il était venu à Charlotte pour le basket. Et du coup j'étais là, ah stylé, il a l'air d'avoir un resto français. Alors on va tester, on verra qu'elle porte se dire ou pas. C'est vraiment trop stylé. Incroyable. Peut-être que pendant que je filme, il y aura un éclair, je sais pas, c'est stylé. C'est beau, hein? Donc là, on est dans Uptown, et Uptown de nuit, c'est vraiment trop stylé. En plus, il y a personne qui est là. Donc t'as vraiment l'impression que tu visites Pépère la ville. C'est trop stylé. Là, il est en train d'apparaître. Ce que vous voyez dans le fond là-bas, c'est le stade de Bank of America. Le stade de football américain. Où on ira soon. Soon, soon. You want to believe this creature if you want to risk by 91. Risque ou pas risque? Allez, moi j'ai pris des risques avant, c'est un peu payé, je prends un risque, c'est quoi ça peut être? Normalement, c'est pas comme ça qu'on peut aller ici, jamais. Achille! Coucou! We reach out to the creature and feel its nasty freezing touch. Pulling it out takes much effort.